Le travertin-porc est un morceau très utilisé en Chine. Les méthodes de cuisson sont variées. Le travertin-porc à la sauce aigre-douce est un classique de la cuisine chinoise et une recette tellement délicieuse. C'est aussi un de mes plats préférés. Voici les ingrédients pour réaliser cette recette. Coupez les travertin-porc entre chaque os. Mettez d'abord les morceaux de viande dans de l'eau froide. Puis chauffez dans une casserole. Ajoutez 3 tranches de gingembre et une cuillère à soupe de vin blanc. Laissez mijoter 5 minutes. Retirez la mousse de temps en temps. On retire les travertin-porc et on ajoute un peu de sel. Mettez en réserve à côté. Chauffez le wok à feu vif. Quand il est chaud, versez de l'huile. Séparez les pétales d'anis et mettez-les dans le wok. Faites-y revenir les travertin-porc jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur tous les côtés. Retirez les morceaux qui sont prêts et ajoutez les nouveaux. Maintenant, on va préparer la sauce aigre douce en mélangeant bien 3 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de vinaigre. Préparez quelques tranches de gingembre. Découpez les poireaux en gros morceaux. Coupez les gousses d'ail en deux. Chauffez le wok à nouveau. Versez un peu d'huile. Quand il est chaud, mettez 2 cuillères à soupe de sucre roux. Laissez-le fondre dans l'huile. Versez les travertin-porc. On ajoute d'abord l'ail. Quand vous sentez l'odeur de l'ail, ajoutez ensuite le gingembre. Pareil, il faut attendre de sentir l'odeur du gingembre avant d'ajouter les poireaux. Maintenant qu'on sent l'odeur des 3 ingrédients, on ajoute la sauce aigre douce, puis du sel, une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe de sucre. Diluez une cuillère à soupe de vin dans un polto. Versez-le sur le porc. Baissez à feu moyen. Et laissez mijoter entre 15 et 20 minutes avec le couvercle. Recommandez le feu pour réduire la sauce à la fin. La sauce devient plus épaisse maintenant. Retirez les ingrédients. On assaisonne une dernière fois car le vinaigre s'est entièrement évaporé pendant la cuisson. On ajoute une cuillère à soupe de vinaigre, du sucre et du sel. On coupe le feu. Parsemé de sésame blanc pour décorer. Les travertin-porc à la sauce aigre douce sont prêts. La viande a pris une belle couleur caramel. L'extérieur est croustillant et l'intérieur est tendre. Je vous présenterai d'autres plats asiatiques qui sont faciles à réaliser. Abonnez-vous pour ne rien rater. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez cette recette. Régalez-vous !